Avant de laisser la parole à Thierry Stettler qui interviendra pour la CGT, à la fois pour le secteur fédéral et pour les quatre syndicats de cheminots de Lyon, pour la présentation donc de notre projet CGT qu'on a appelé de manière très originale Ensemble pour le faire dans Lyon, Ensemble pour le faire qui est le projet qu'on avait travaillé en 2018 au moment du rapport Spinetta. C'était notre contre-rapport et qui visait à une autre réforme que celle de 2018, baptisée Pacte ferroviaire, qui mettait fin au statut, aux embauches au statut au 1er janvier 2020 et qui généralisait la concurrence dans le transport ferroviaire. Un projet travaillé évidemment avec les militants de la CGT, mais aussi avec, là aussi créé en 2018, le comité de vigilance citoyenne pour la défense du service public ferroviaire, qui rassemble des citoyens, des partis politiques, le parti communiste, des militants FI, des militants d'autres organisations syndicales, je pense de la FSU, et qui ne demande évidemment qu'à s'élargir encore. Un collectif que nous avions créé pour défendre les guichets de Joigny, de La Roche, il y avait Saint-Flo et également. Certaines de ces réorganisations avaient été reculées de quelques mois. On espère en tout cas y avoir contribué. On veut en tout cas y croire. Donc voilà, présentation d'un projet aujourd'hui à affiner, à faire vivre, à partager, et qui doit faire l'objet évidemment d'échanges. Des échanges, on en a déjà eu autour de ce projet le 5 mars dernier. Nombreuses et nombreux d'entre vous étaient là au moment de la signature de la convention pour les trains hydrogène, où nous avons remis à la fois au ministre des Transports, en tout cas au directeur de cabinet, à la fois du ministre des Transports, de la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, de la SNCF et du préfet. Une bataille qui s'inscrit aussi plus largement dans la bataille des services publics de la CGT, dans une période où on en a évidemment plus que besoin. Je pense aux camarades de l'énergie qui se mobilisent depuis des mois contre le projet Hercule, et puis ça semble assez naturel de le dire, mais pour l'hôpital public qui est au cœur évidemment à la fois des besoins de société, c'est très éclairant depuis maintenant plus. Le transport est un enjeu incontournable. Incontournable dans les besoins de déplacement, que ce soit dans les personnes et des marchandises, que sur les enjeux environnementaux. Notre département dispose en la matière d'atouts importants. C'est le cas pour ce qui est du fluvial, bien sûr, de la route, bien évidemment, mais aussi du fer. Notre département rural, agricole et boisé est aussi un département industriel. Son activité économique est diverse et variée, se retrouve dans cette double caractéristique, et le ferroviaire y joue un rôle ayant gardien. Et c'est le sens de notre combat quotidien, nous cheminots, CGT, un avenir important. Un avenir important pour que l'intérêt général de l'humain et de la planète prime sur la recherche et le profit rapide et maximal. C'est tout ce que nous dénonçons depuis des années. Mais au-delà de dénoncer, la force de la CGT, c'est de s'appuyer sur l'expertise professionnelle de celles et ceux qui produisent, et en ce qui nous concerne, celles et ceux qui produisent le service public ferroviaire dans notre pays. Les cheminots et cheminotes, depuis des années, nous portons et défendons des solutions alternatives tant au niveau national que local. Ce que nous dénoncions dans la réforme du ferroviaire de 2018 se concrétise aujourd'hui. Dumping social, baisse de l'offre des services, fermeture de lignes, sous-investissement et manque de financement. Ce qui nous avait conduit à un contre-rapport à celui de Spinetta, Ensemble pour le faire.
Ce projet, il fixe d'abord une ambition, celle de porter la part modale du ferroviaire tant que voyageurs-marchandises à 25%. Le secteur de transport est en France le plus gros contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, avec 29% au total, en hausse de 6% par rapport en 2015, devant l'industrie 26%, l'agriculture 19% et l'énergie 11%. Il émet 130 millions de tonnes d'équivalent CO2, dont 94,4 sont directement imputables au transport routier. Celle-ci a cru de 39% entre 1990 et 2015. Non seulement la libéralisation du fret ferroviaire et l'ouverture à la concurrence en 2003 pour le trafic international et 2007 pour le trafic intérieur n'ont pas amélioré la situation du fret ferroviaire. Contrairement à ce qui a été promis, pas une tonne transférée de la route vers le rail, mais l'ont aggravé et en accélérant le déclin de ce mode. Après 10 ans d'expertise, le résultat est catastrophique. Jamais le rail n'a eu si peu transporté de marchandises en France. Moins de 10% de part modale aujourd'hui. Toutes les entreprises ferroviaires perdent de l'argent. Certains ont jeté l'éponge. Veolia Cargo, Combi West. D'autres sont en difficulté. Eurocargo Rail, filiale de la Deutsche Bank, a supprimé 300 emplois récemment. Les entreprises privées sont donc confrontées aux mêmes. Sont confrontés aux mêmes difficultés que l'entreprise publique et ne font pas mieux. Pour ce qui est du transport voyageurs, nous proposons de renforcer la part du ferroviaire sur les terrains grandes lignes et les TER pour un développement juste et harmonieux des territoires tout en conservant l'objectif minimum de 25% de la part modale d'ici 2050. La péréquation entre les activités permettant d'améliorer et de développer le service public ferroviaire SNCF afin de répondre aux besoins de déplacement de la population. La complémentarité inhérente au train se manifeste dans la production d'une offre de déplacement cohérente et attractive. Et cela pour l'opérateur doit pouvoir s'appuyer sur un réseau bilan maillé pour proposer des dessertes proche et adapté aux besoins des usagers en garantissant des interconnexions et correspondantes nécessaires. Cette mutualisation des moyens humains, matériels comme finalité de transport, plus en toute sécurité, qui font notre projet de développement. Un projet qui redonnerait de la vigueur à l'industrie ferroviaire et donc à l'emploi. Car pour développer le fret, par exemple, il faut construire des trains. Rappelons que cela représente 14 000 salariés dans l'ingénierie, la production, l'entretien. Dans le département, les ateliers de Joigny, par exemple, au-delà de l'entretien, pourraient innover, inventer et fabriquer de nouveaux vagons qui devraient intégrer l'implantation de services ferroviaires, ateliers matériels, EIV, unités de production traction, certains centres d'administration téléphonique. De plus, nous proposons que les industries stratégiques ciblées dans le cadre de la politique de relocalisation fassent l'objet d'une volée desserte ferroviaire et aménagement du territoire. Le développement du e-commerce et de messagerie constituent un enjeu de taille pour la relance du fret ferroviaire et doit conclure à une modification des politiques publiques en matière de transport. En effet, le poids des enseignes cybermarchandes comme Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, dans les volumes d'échanges font-elles des outils de stratégie pour la réordination des flux entre les différents modes de transport. Nous proposons là aussi, sérieusement, elle existait en partie avec les TGV, Posto par exemple. J'en viens maintenant au trafic voyageurs. Le transfert des responsabilités de l'État à la SNCF vers les régions et les TER risque de mettre mal la constitution du réseau ferroviaire en multipliant les ruptures de lignes. On le constate d'ores et déjà en 2026 à Montreux, qui traduit à l'ouverture à la concurrence du réseau francilien et la ligne R par la présidence de Valérie Pécresse. Sur les lignes Morvan, par l'arrêt des dessertes bus qui ont remplacé les dessertes ferroviaires,
L'offre ferroviaire doit être renforcée, les arrêts multipliés. C'est d'ailleurs un objectif du plan climat de Lyon. Pour réduire les conflits de circulation, l'inversion de la ligne, un NACT peut rouler sur des trains tout type, TER, grande ligne, TGV. Un agent de gare peut avoir sur sa journée de travail un temps partagé entre l'assistance au PMR en gare, l'accueil renseignement et la manœuvre pour les dessertes fret. Les effectifs doivent permettre de couvrir nos revendications d'ouverture de guichets dans les gares. D'ouverture de gare du premier au dernier train et la présence de deux conducteurs, de deux contrôleurs dans chaque train. L'Union départementale CGT de Lyon et en tant que cheminot moi-même à La Roche-Migène, j'ai conscience que tout ce qui a été dit à l'instant, c'est quand même plutôt très technique pour quelqu'un qui ne baigne pas dans le monde ferroviaire et même pour certains cheminots, puisqu'il y a une multitude de métiers quand même dans notre belle entreprise. Hein. On a plus de 200 métiers dans la SNCF. Avec chacun ses technicités, c'est un petit peu technique, mais c'est obligatoirement technique, puisque c'est des évolutions techniques, des choses qui existaient et qu'on veut revoir naître, comme l'utilisation du fret ferroviaire. J'ai personnellement, avec d'autres, François, Alain, Luc, travaillé dans le triage de Bercy à La Roche-Migène, hein, pas Paris-Bercy. À chaque fois, on me l'a fait, celle-là. Et c'est à l'époque, il y a encore le dernier dirigeant du fret ici présent que je viens de voir aussi. On faisait sur les toiles de La Roche, si tu me diras, si je me trompe, 360 000 tonnes de fret à peu près on va dire, et le fret avait déjà beaucoup réduit et perdu en masse. Et il y a des possibilités de refaire du fret ferroviaire. Il y a des possibilités il faut aussi ne pas détacher le fret du voyageur, puisque on ne peut pas tenir une ligne uniquement avec du voyageur, sinon elle est très déficitaire. Ce qui rapportait de l'argent dans le temps quand même, hein, c'était le fret. Ce qui rapportait de l'argent, c'était le fret. Il faut des lignes pas dédiées aux voyageurs, il faut des lignes où circulent des trains de marchandises, des trains de voyageurs. Ça permet d'avoir un éventail plus complet pour l'aménagement du territoire et pas dédier des autoroutes où il n'y aurait que du train de voyageurs. Ça serait une connerie et en plus ça permet d'irriguer le département en trafic ferroviaire. Hein. Tous ceux qu'ont connu, et je pense qu'on devrait non seulement connaître à minima ce qu'il y avait il y a quelques années, c'était une vingtaine d'années, et avec les besoins environnementaux actuels qui mettent en exergue ce qu'on propose nous depuis des années, hein. On était à l'époque un peu on disait qu'on était un peu passéiste et qu'on voulait vivre au temps du ferroviaire, mais là c'est une nécessité environnementale et une nécessité sociale et d'aménagement du territoire, hein. On l'a dit, hein, tout à l'heure Thierry l'a dit, on est dans un département rural et pas mal désindustrialisés. Et si on veut réindustrialiser le pays, il faudra embrancher les usines pour qu'elles polluent moins, pour qu'elles soient alimentées en matières premières et qu'elles ressortent des produits finis comme ça devrait être. Et je pense que tous ceux qui circulent en voiture sur les routes de Lyon se sont aperçus du carnage actuel. Hein. On avait au moins 4 trains pas de bois par jour qui circulaient sur les voies. Maintenant vous les voyez passer sur les camions avec des gyrophares de partout. C'est des camions qui peuvent transporter jusqu'à 70 tonnes, donc c'est un vrai carnage. Une pour la route, puisque les camions ne payent pas l'infrastructure sur laquelle ils roulent. Ils détruisent les routes avec des tonnages super, hyper importants, puisqu'ils sont tous en convoi exceptionnel pour justement pouvoir massifier du transport, alors que tout ça pourrait être sur des wagons et ne pas se retrouver sur les routes avec ce que ça génère en coût sur la santé, sur la vie des gens, puisque c'est générateur d'accidents de la route. Et ça, jamais personne n'inclut ce coût dans le coût du transport de marchandises routiers. On n'est pas pour le tout ferroviaire. Les camions, il y a nécessité d'en avoir. Mais il y a aussi, quand c'est des transports de longue distance, une
obligation qui devrait être faite en transport ferroviaire. Les camions, il y en aura toujours besoin. On a aussi besoin des bateaux. On n'est pas exclusif. On a parlé aussi du fluvial. Tous ces modes de transport sont complémentaires. Il faut de l'intermodalité et pas uniquement du tout camion. Alors, c'est une excellente initiative. Évidemment, il y a eu la dernière qui reprend et qui poursuit le combat pour développer le fret dans le département, mais développer le transport ferré d'une manière générale. Et donc, moi, je veux surtout féliciter les cheminots de la CGT de cette initiative. Je voudrais insister particulièrement sur le rôle du réseau ferré de La Roche-Vigène, hein, qui est extrêmement important dans le département, et j'habite là-bas, donc je sais un peu de quoi je parle, et toutes vos revendications sont à mettre en avant et doivent être satisfaites, évidemment. Et je pense en particulier au rétablissement de deux choses. D'une part, la liaison entre La Roche et Troyes, qui est d'une grande utilité, et pour le fret, mais aussi pour le transport des usagers. Et ensuite, le rétablissement de la liaison Lyon-Méditerranée avec un arrêt à La Roche-Vigène et à Sens, comme cela a existé jusqu'en 2011. Donc ça, c'est une bataille qu'il faut mener et que nous mènerons à Migène avec les syndicats CGT. Merci.